Ouais, c'est reparti. Cet épisode devait être le premier épisode. Je pense que ça va être un peu plus punchy. Il y a des choses qui vont arriver de nulle part, sans aucune logique ni sens, et c'est ça aussi l'esprit des tutos. On va essayer de faire esprit tuto plus que l'autre. Enfin, on va pas essayer, en fait, on va pas essayer, on va le faire. Figure-toi que c'est une vraie salle d'attente. C'est que le médecin là, nous a prêté gentiment son studio, parce que c'est un médecin réal. Et donc il nous a prêté gentiment ce petit studio qui est une fausse salle d'attente. Voilà. Donc voilà, j'étais un peu piégé là-dessus. C'est une fausse salle d'attente. Faut qu'on commence à tourner là, vraiment. Vas-y. Premier plan de la session, merci tout le monde d'être là. T'as vu la trace du téléphone ou cascade. Il faut faire une cascade. Non, normalement t'as un tatami là qu'on va t'apporter. Absolument, un tatami de 1 cm ouais, d'épaisseur. Bien du... Non, t'as un énorme... Ce sera ça, regardez, ce sera ça que... En fait, c'est ça qu'on va mettre de l'autre côté. Avec ta main, t'as tiré comme ça là. Ouais. Ah bah, on va le laisser juger peut-être. Vas-y, regarde. Qu'est-ce que j'ai vu? Par rapport à la distance. Attends, mais du pour... Ah ouais, mais... Tout va bien, je suis très à l'aise. Ouais, il y a juste des bouts de bois, on est juste un peu haut, je risque peut-être de me prendre la gueule là, voilà. Voilà, il y en a sur un petit bout de bois qui tient plus ou moins bien. Merci beaucoup, fin de journée! Bah là, on est sur la séquence où il y a le méga drift avec la BMW en mode Kaira. On va aller chercher les bébés chatons qui ont 5 semaines. Oh non de Dieu. Ah. Oh non. Oh non. C'est pas grave les filles. À la base, je voulais les pendre. Victor. Enfin, pas les pendre. Je voulais les suspendre à leur harnais et les tenir. De toute façon, la caisse c'est drôle en fait hein, quand même. Ça rajoute une blague quoi. Ouais. Vieille course poursuite avec sa caisse à chat. Par contre, on a choisi de faire un choix de mise en scène très simple, c'est-à-dire de filmer pratiquement tout en très très court focal, très proche des acteurs, puisqu'il leur donne vachement de présence, qu'il les déforme et qu'il appuie un peu la comédie. Oh. Qu'est-ce qu'il fait l'enculé. Oh. Attention quand même. C'est comment ça coule ça? Tiens, la deuxième fois, je peux pas le retenter, j'ai trop peur. Suivant. De respect, tu fais partie des anciens, tu devrais comprendre! La vieille?
Pardon. Ok, très bien. C'est un peu débulé, ce plan, genre. C'est ce qu'on appelle un peu débulé. On a rajouté à ça un compte focal. Parce que j'ai fait des petites recherches sur internet, j'ai bossé, et j'ai dit à Nadja, tu sais, l'image et tout, compte focal. Elle me fait, ouais, je connais. Je fais, bah, moi aussi, figure-toi. Parce que j'ai passé une petite heure sur internet à rechercher un peu, à me renseigner sur les objets. Voilà. Bon, en une phrase, elle m'avait complètement perdu après. Ouais, c'est-à-dire que si tu pars, on peut faire comme ça ou comme ça. Je fais, ouais, je vais raccrocher là. Françoise va s'allonger dans un sac mortuaire. Donc, de grandes branches. Avec le sourire, Françoise. Les mômes. On n'a pas d'électricité. Ouais, il y a de l'électricité dans le grand hangar. Donc en fait, il faut qu'on cherche des prolongues. Ouais. I knew it. Ouais, je savais aussi. On est arrivé, quand on a visité ça, on s'est dit, tiens, je m'étonne qu'avec une énorme flaque d'eau de 7 mètres, l'électricité marche ici. Ce matin, c'est beau temps, donc on va être tranquille. Mais alors cet après-midi, apparemment, il pleut, mais genre, bien quoi. Alex, il y a combien de figurations prévues aujourd'hui? Alors, on attend 100 figurants. Tu regarderas qu'on a toutes ces décharges, et là je m'applique pour faire un coin figuration pour qu'il puisse se repérer dans ce grand hangar. Le coin figuration, il va être là. 100 personnes, ça devrait aller. Merci d'être là. On va tourner du coup la séquence, là ça tourne en ce moment. On va passer sur vous et après ce sera bon quoi, dans 5 minutes vous êtes libre. Ça marche? En tout cas merci d'être là, vous avez des gueules parfaites et les couleurs sont nickel. A tout de suite. J'aime bien, j'ai un peu l'impression de, tu sais, en mode soupe populaire. On sort la ZDOT. L'eau, source de vie, source d'emmerde pour les ingénieurs son. D'aller chez le médecin du coup, et après il propose de refaire une partie, donc on repart. Attends, c'est comme ça. Ah, ils ont
Bien joué les mecs. Bien joué. Et donc vous êtes chaud, vous tournez, et on imagine qu'il y a la musique, et quand je ferai ça, tout le monde arrête de crier, et là vous chiffonnez, et on va voir comment ça se passe, hein, qui perd, qui gagne. Poussière, poussière. Je pense que les gens aiment Camille parce qu'il est plein de contradictions, qu'il est extrêmement vulgaire et que en fait ça fait du bien aux gens de voir quelqu'un qui lâche et qui ose et qui se permet de dire en fait ce que les gens n'osent pas dire. À la télé, il y a beaucoup de choses de principe, du politiquement correct que Camille dépasse, quoi. Et surtout, à côté de ça, il est quand même touchant. Jérôme dans la vraie vie, c'est un peu un Camille. Hein, Non, c'est quelqu'un de dynamique et qui du coup arrive à porter une équipe sur un tournage. Et je pense que c'est pour ça que les gens sont contents de revenir et de rebosser à chaque fois sur les tutos, quoi.